Horoscope Lion du 6 juin 2023. Bonjour, voici l'horoscope du jour. Horoscope Amour, vous aurez droit à des moments de bonheur éthéré, quelle que soit votre situation conjugale actuelle, car Vénus distillera des influences très positives et très puissantes. Profitez pleinement de l'aubaine. Célibataire, côté cœur, ce sont surtout les natifs du signe qui seront cette fois les plus favorisés, en raison des influx spéciaux de Vénus. Tout à coup, un inconnu leur offrira des fleurs, où l'homme de leurs rêves leur déclarera sa flamme à l'improviste. Les hommes seront moins bien lotis que leurs homologues féminins, mais ils n'auront vraiment pas à se plaindre sur ce plan. Horoscope Argent. Ce n'est un secret pour personne, la gestion de votre situation financière n'est pas ce qui vous passionne le plus au monde, et vous êtes même un peu négligent dans ce domaine. Cette fois, pourtant, vous feriez bien de vous occuper de votre budget. Ou vous pourriez avoir de mauvaises surprises. D'autant plus qu'il vous arrivera de subir des retards dans les rentrées d'argent escomptées. Horoscope Santé. En terminant sa visite dans un secteur santé de votre thème, Mars vous insufflera un tonus que vous conserverez un certain temps. Énergique et joyeux à souhait, vous traverserez la vie dans une forme qui fera des envieux autour de vous. Horoscope Travail. Vous qui aimez l'efficacité, vous pourrez vous féliciter. Soutenu par Jupiter, vous progresserez dans votre travail, et vous pourrez même relever d'importants défis. Cependant, évitez les risques excessifs. Horoscope Famille. Priorité à vos relations familiales. Vous aurez plus que jamais besoin de vous sentir aimé, soutenu, compris de vos proches. Veillez tout de même à modérer vos exigences, ou vous serez forcément déçu. Horoscope Vie sociale. Vous risquez d'être sollicité par un ami aujourd'hui, contre vos souhaits. Et alors les liens très solides que vous entretenez pourront vous mettre dans l'embarras. Écoutez votre cœur, c'est un excellent guide. Dans tous les cas, ne vous faites pas martyr.